dites, messieurs, dames, j'avais pas vu que vous étiez là, quelle malure! Oh ben ça me fait drôlement plaisir, dites. Non, parce qu'écoute le coup. Je voulais revenir, tu sais, sur la magnifique soirée qu'a eu samedi. Et oui, le 8 janvier. Oh, c'était la soirée pour Marion, tu sais. Ça a été extra, hein. Oh, fan de pétouze! Mais vous pouvez pas la mettre en veilleuse, Mado! C'est l'heure de l'apéro! Oh, monsieur Francis, vous êtes à la retraite! L'apéritif, vous avez tout le temps devant vous pour le prendre! Ben non, mais quand même! J'ai pas travaillé pendant 40 ans pour qu'on vienne m'emmerder quand je bois mon pastis, non? Francis, vous avez passé 40 ans à la mairie! Ça fait presque 70 ans que vous êtes à la retraite! Vous allez pas nous casser les ronronnets, si? Excusez-moi, messieurs, dames, c'est les voisins. Faut bien leur répondre, ils nous parlent, on leur répond. Non, excusez-moi, dites. Non, je voulais revenir à cette magnifique soirée de solidarité pour Marion. Toute cette générosité, tous ces artistes qu'il y a eu, oh, qui m'allure. Ça faisait quelque chose, Iranium, mais vraiment. Et pourquoi j'étais pas, moi, Mado, hein? Non, mais c'est vrai, quoi. Je suis la sosie officielle de Pamela Anderson. Oh. Tu sais, Pamela, il n'y avait pas de sable et il n'y avait pas de mire. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, mais c'est pas grave. Je ramenais un pack d'eau et des gâteaux. Quel gâteau tu veux ramener? Mais pas n'importe quel gâteau. J'aurais pris des sablés. Et comme on dit chez moi à Malibu, si tu as mal au bout, c'est pas forcément parce que tu es bien monté, mais parce que tu es mal descendu. Ah! Eh ben heureusement que tu es pas venu, et tu as bien fait de rester chez toi, hein. Tu nous aurais foutu une honte comme ça, dit. Oh non, non, non. Non, puis on en avait des vrais de sosies, hein. Oui, oui, oui. Ah, mieux que toi, hein. Bon, on avait le sosie de James Bond, de Francesco. On avait le sosie de Johnny Hallyday, Monsieur Ritchie. Le sosie de Patrick Sébastien, David Bastien. La sosie de Mylène Farmer. Oui, oui, ma Christelle, extra celui-là. Oui, une pléiade d'artistes, hein. La comédie musicale Atlantéa. Il y avait, tu sais, Geoffrey Boulanger, Mathilde Chardon. Il y avait la troupe de la danse, comment qu'elle s'appelle, La Porte des Étoiles. Il y avait Il y avait mon filou, qu'on s'est fait de se péter de rire, mon filou. Oh, elle est dans mon cœur, tu sais. Oui, mon cœur. Quelle malheur. Qu'est-ce que vous comprenez, vous aussi? Non, non, c'était extra. Il y avait Lucie Hazard. Il y avait plein d'autres artistes qui sont venus. Et tous pour la bonne cause. Mais tout quoi, ce monde, et même partout m'appelle, Mado. Quelle cause, Mamado, j'aurais pu venir te faire un beau tableau. J'aurais pu faire voir de toutes les couleurs. Faire un beau spectacle. Per la petite, per la ragazza, per Marion. Pourquoi tu m'as pas appelé? Bonjour, mon Serge. Non, mon Serge, je t'ai pas appelé parce que, tu sais, le coup du tableau, je l'aurais fait moi. Oui, oui, j'ai dessiné et tout, à vous, Viestra. Bon, pas aussi bien que toi, hein, mais je l'aurais fait le coup du tableau. Oui, oui. Tu sais, celui que tu m'as appris, que tu dessinais, qu'après tu le mets à l'envers, à l'endroit, tu sais. Eh ben, je l'aurais fait, oui, oui. J'étais content, hein, oui, oui, tu... Eh ben, oui, eh ben, il y a la vidéo sur le sgeg. Sur le web. Oui, oui. Oui, oh, il y a une chaîne de télé qu'elle est venue nous filmer. Oh, ils sont extra. Tu sais, Mauve TV, Mauve Télé. Oh, je les ai rencontrés, tu sais, une équipe comme ça. Ah oui, oui, ah oui. Parce qu'ils sont venus nous voir dans les coulisses pour nous faire les interviews. Géniaux, tu sais. Ah oui, oui. Non, parce que des fois, il y en a qui arrivent, tu sais. Ils te disent, mettez-vous là, posez des questions, on répond dans la boîte. Ah non, extra, tu sais, gentil, tu sais, sympathique. Presque tu avais envie de faire, tu sais, de leur faire nous l'interview pour eux, tu sais. Oh non, ils étaient vraiment magnifiques, ah non, non. Puis super sympathiques, ah non. Si tous les journalistes, ils avaient leur sympathie et leur professionnalisme, pardon. Eh bien, on aurait vraiment des meilleurs moments à la télévision. Et non, bravo à vous, Mauve TV. Bravo à vous la caméra! Oui, oui, bravo, non, c'était extra! Ah, c'est pas vrai! Puis qu'est-ce que c'est? Il y avait le bon mec, même pas, tu m'appelles! Oh là là là! Oui, ça, remarque, des beaux mecs, il y en avait! Rien que tu regardes mes deux assistants, tu sais, Kevin, oui, 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 Kevin et Nicolas! Eh bien, crois-moi qu'ils étaient bien montés, ceux-là! Je suis sûr que l'un dans l'autre, on se serait bien entendu. Je travaillais là, oui, je t'enverrai des photos, oui. Oh ben, d'ailleurs, en parlant de photos, j'ai rencontré une superbe photographe là-bas, Marie Divine. Oh là là, extra comme ça. Elle t'a fait de ces belles photos de la soirée. Oh là là, une fille, mais que du bonheur. Ben d'ailleurs, tu sais, s'il fallait retenir un mot de cette belle soirée, eh ben c'était que du bonheur. Ah oui.
une grande soirée de découvertes, de rencontres, de milieux différents, de chansons, d'humour, de comédie musicale, de sosie, une pléiade d'artistes, messieurs, dames. Et tout cela, tu sais, avec leur sympathie, leur générosité, leur talent et tout, et tous unis pour la bonne cause, pour Marion, pour aider cette petite. Ses parents qui étaient merveilleux, qui étaient là eux aussi, ils ont eu les larmes aux yeux. D'ailleurs, on avait tous les larmes aux yeux. Et croyez-moi que si chacun y pouvait donner un peu plus de sa personnalité, si on prenait rien qu'un petit peu de notre temps pour aider son prochain, la planète le tournerait beaucoup mieux. Hein. Ah oui, oui. Plutôt, ah oui, oui. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en plus, ça va, messieurs, dames. En plus, on passe notre temps à critiquer les uns les autres. Non, mais c'est vrai. Si parfois, on prenait un peu plus le temps de s'occuper de notre propre cul et d'aider les autres, eh bien, il y aurait moins d'hypocrisie dans le monde. Eh oui. Moi, je le dis toujours. S'il faut mettre un point rouge sur le front de tous les abrutis, la planète ne te ressemblerait à un champ de coquelicots, hein. Ah ben oui. Eh oui, non, mais c'est vrai. Non, mais comme je le dis, tu sais, on a été tous réunis pour Marion et on se battra encore pour tous, pour Marion, pour d'autres, parce que c'est ensemble, tous ensemble qu'on arrive à se battre. Eh oui, ensemble, ben oui, ben ensemble on est plus fort, c'est logique, non? Eh ben oui, mais il faut pas oublier, tu sais, qu'on se batte pour n'importe quelle cause. Le plus important qu'il faut se dire, messieurs, dames, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile.